Alors, je suis Cécile Bourdet, je suis artiste plasticienne. Je vis et travaille à Paris, ici, dans mon appartement. Je suis née en Normandie. Je pratique depuis une vingtaine d'années, tout en ayant à côté un travail rémunérateur. Différents métiers, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai été ensuite graphiste. Actuellement, je travaille dans les écoles auprès d'enfants en situation de handicap. Je n'ai pas réellement décidé d'être artiste. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le décider. Enfin, c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps. En fait, j'ai toujours produit quelque chose. Après, de là, imaginer que ce soit quelque chose de présentable au public, c'est l'envie de commencer à exposer, présenter mon travail. Et ça, c'était il y a environ 10 ans, en 2010, ma première exposition. Après, j'ai pris ça un peu plus au sérieux. Enfin, oui, et puis c'est surtout, j'ai trouvé en fait mon matériau. En 2010 encore, je ne travaillais pas avec la matière actuelle. Donc à partir du moment où j'ai commencé le papier mâché, j'aime beaucoup travailler avec le papier mâché. Je trouve que ça, enfin, pour moi, ça m'offre plein de possibles. Des petites évolutions ou des petites bifurcations, c'est-à-dire que quand on fait un travail, il y a toujours des choix à faire. Enfin, on fait des choix, on laisse de côté quelque chose par rapport à autre chose qu'on va privilégier pour aboutir à un travail final. Des fois, ces options qu'on a délaissées, on a envie de les explorer plus tard, enfin, de revenir dessus. Ce sont des pistes qui sont apparues comme ça par hasard. Puis des fois, il y a vraiment des réelles surprises. En fait, le papier, je suis autodidacte et en fait, tout ce qui est matériaux un peu classiques d'un artiste, enfin, la peinture, la toile, travail de la pierre pour un sculpteur, enfin là vraiment les choses très classiques, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de travailler avec ça, parce que j'ai pas fait d'école, donc je me sentais pas légitime pour travailler ces matériaux. Donc le papier, c'est quelque chose de très abordable, enfin moi j'en trouve partout, c'est du papier recyclé, donc il y en a à profusion. Et ça aussi, ça me plaît, le fait de... Je suis assez écolo, j'essaie de pas trop consommer, donc que ce soit quelque chose, un art un peu léger, fait avec du rien, quelque chose qui va être jeté, ça me plaît. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'acheter pour faire. Tout est là, c'est toujours là, donc c'est une opération légère. En fait, j'étais assez solitaire et je garde en fait un souvenir très fort de ma relation avec l'environnement, enfin la nature, des choses banales, enfin juste être sous la pluie, ressentir le vent, enfin le changement des saisons aussi, c'est quelque chose qui marque parce que le corps le vit pleinement. Donc je peux dire que mon inspiration, elle est là. Enfin, c'est cette mémoire accumulée de choses vécues comme ça, des sensations corporelles. C'est pas de l'exubérance, quoi. C'est pas de la luxuriance. Donc ça, je pense que je rattache aussi ça. Enfin, j'ai eu une période de vie très très douloureuse. Le passage de l'enfance à l'adolescence a été un vrai drame pour moi. Donc peut-être c'est cette nature-là qui s'est recroquevillée, en fait, que j'ai là, que je fabrique. C'est un passage, l'homme dans son temps de vie personnel, ou l'humanité même. Son temps de vie sera certainement insignifiant au regard du temps de l'univers. Mais tout de même, l'homme est quand même quelque chose de grandiose dans le sens où on est fait de cette matière univers. Enfin, on vient de là, on repartira là. Et en fait, c'est éphémère, il s'inscrit, il est compris dans l'éternité, on peut dire.
Enfin, je trouve que le rapport entre les deux, c'est un oxymore, mais en même temps, ça s'enveloppe. Enfin, l'éphémère est dans l'éternité et vice-versa. C'est-à-dire que l'éternité, dans notre éphémérité d'homme, on peut la voir. C'est-à-dire que tout le monde vit ça à certains moments intenses de vie qui nous font comme percevoir l'éternel. Enfin, c'est impalpable, mais c'est quelque chose qui passe par le corps. Ça peut être dans une relation avec une personne, ça peut être dans le regard qu'on porte sur les choses. Par exemple, quand je travaille, quand personne fait quelque chose qui l'intéresse complètement, qui l'absorbe complètement, on est dans un petit instant d'éternité parce qu'on est complètement absorbé dans un travail précis, dans une sorte de concentration. Et là, je trouve que c'est de l'éternité dans l'éphémère de notre vie. C'est beau, ça. Ici, c'est ce que j'ai appelé une forêt d'intérieur. J'en ai fait quelques autres. Elle est constituée d'un tiroir. Alors, en général, quand j'utilise des tiroirs, c'est des choses que je trouve dans la rue. Tout ce que je fais se fait à partir de choses trouvées. Donc la forêt d'intérieur, eh bien c'est à nouveau, c'est cette mémoire de nature que j'ai en moi, matérialise par cet objet vitrine, une nature comme ça, sous protection, qui peut-être se protège de l'extérieur, qui est en même temps quelque chose qu'on peut admirer. Regarder, observer. Fait de rondelles de papier faites une à une, qui sont assemblées comme on ferait un collier. Elles sont aussi teintées dans des tons bruns, un peu différents chacun. En fait, je ne savais pas à ce moment-là, parce que c'est un peu ancien, que ces rondelles-là, en fait, je continuerai à les utiliser d'autres manières ensuite. En tout cas, je travaille toujours à partir de rondelles maintenant. Et ce travail date de plusieurs années.